Thank you.
Merci. Je suis très heureux d'être là. C'est un vrai plaisir, c'est un honneur aussi de rejoindre le jardin musical. J'ai commencé avec un morceau que j'ai intitulé Ave Maria, qui est en fait un peu l'histoire qui m'a chamboulé ma vie d'artiste depuis 2-3 mois. C'est le morceau qui m'a été autorisé par la police le 14 février dernier à Cruppé, dans cette église de Cruppé où j'avais organisé une série de concerts qui m'ont été interdits en fait, sauf que le parquet fédéral, donc le procureur via la police, m'ont autorisé à 5 minutes de musique avant de m'arrêter pour me verbaliser. Et donc ce sont ces 5 minutes de musique que je vous partage aujourd'hui en ouverture, en hommage à tout ce combat, je pense, des artistes, aussi en clin d'œil à cette autorité vers qui nous essayons de dialoguer, et c'est pas toujours simple pour le monde artistique, en tout cas pour la culture. Et aujourd'hui, c'est un grand plaisir parce que je peux m'exprimer pleinement. Alors pour vous dire un petit peu le petit chemin qu'on va faire ensemble pendant quelques dizaines de minutes, un peu plus, pendant presque une heure, c'est que j'ai appris avec le confinement à jouer seul plus qu'avant. Comme beaucoup d'artistes, on jouait dans beaucoup d'ensembles, on partageait la musique avec beaucoup de monde. Et pendant les 3-4 premiers mois, j'ai trouvé une solution de pouvoir m'accompagner par moi-même avec cette machine qui est là, qu'on appelle un Loop Station. C'est une machine que je ne maîtrisais absolument pas. Je ne sais pas si je la maîtrise encore bien aujourd'hui, mais ça va mieux. C'est une machine qui m'a permis de continuer à pratiquer ma musique, à rester créatif avec mes guitares. Et j'ai décidé dans les concerts solo, maintenant que je commence à faire un peu à gauche à droite, de l'utiliser parce que je trouve que c'est un moyen de développer simplement ses idées musicales un peu plus loin. Donc aujourd'hui, c'est effectivement un voyage aussi avec le caractère organique de la musique, de ma guitare, que je vous propose de faire ce chemin. Je vais continuer avec un morceau que j'ai dédié à mes parents et que j'ai intitulé « Michel et Philippe ». Thank you.
Il y a quelques années d'ici, j'avais découvert quand j'étais gamin, en fait, ça fait déjà pas mal d'années, un guitariste qui m'avait beaucoup impressionné, qui s'appelait Philippe Catherine, qui est un guitariste belge de jazz, et j'écoutais en boucle sa musique. Et à l'époque, on copiait encore sur de CD vers radio cassette. Et c'était quelque chose d'un peu fou parce que tous les matins, j'écoutais sur ce radio cassette un album en boucle. Et de façon tout à fait naturelle, je pouvais chanter. Enfin, j'arrivais à chanter les mélodies, les solos, etc. Et ça m'avait l'air tellement mélodique comme musique que ça m'inspirait. Et venant moi-même de la musique classique, je m'étais dit, tiens, c'est étonnant comment, à partir de symboles d'accords, un musicien peut improviser, comment est-ce qu'il peut reconstruire un univers à partir de, finalement, un symbole d'accord sans avoir de notes écrites. Et c'est un chemin qui m'a beaucoup occupé pendant pas mal d'années. Et Philippe a été un grand inspirateur chez moi de cette énergie-là, en tout cas de cette curiosité. Et un jour, j'étais à mon bureau en train d'écouter cette émission de jazz en Belgique qu'on écoute beaucoup. Je sais que vous nous regardez aussi depuis la France, mais en Belgique, on a un animateur radio qui est très connu pour le jazz qui s'appelle Philippe Baron. Et à l'époque, quand j'avais 13-14 ans, j'avais mon deck radio et j'enregistrais, j'appuyais les deux touches rec et play en même temps et j'enregistrais sur cassette les morceaux qu'il passait. Et un jour, il a passé un duo de Philippe, Catherine, avec Erkan Oğur, qui est un guitariste turc qui jouait de la guitare fretless. Et pour moi, fretless, c'était vraiment étonnant comme mot, je ne savais pas ce que ça voulait vraiment dire. Et c'est simplement que le gars avait défretté une guitare, donc il a enlevé carrément toutes les frettes, et arrivait à jouer un peu comme un violon, comme un cello sur cet instrument. Et donc pour moi, dans la musique qu'il jouait, puisqu'il était turc, il y avait plein de connotations un peu bizarres dans le son, dont notamment le quart de ton, puisque les Turcs sont des grands fervents de ce quart de ton et de cette harmonie qui est au début perturbante, mais au bout de plusieurs jours, plusieurs semaines, quand vous traînez dans Istanbul ou au Maroc ou au Maghreb, c'est un son qui devient très familier à l'oreille. Et quand je suis rentré de mon voyage à Istanbul, j'ai décidé de reprendre une guitare qui était dans une de mes caisses. Depuis pas mal d'années, de la faire défretter et de la donner à ce luthier turc et d'essayer de la transformer en instrument jouable comme un violon. Et aujourd'hui, je vais vous jouer un traditionnel, enfin, l'introduction sera un traditionnel palestinien qui s'appelle Liaba et Myriam, que j'avais enregistré en 2000, 2009, 2010, quelque part par là, réarrangé pour un groupe a cappella vocal de par là. Et j'enchaînerai avec un morceau que j'ai intitulé Blues for Eminem, qui est en fait, qui sont deux grands amis, Manu Katché et Nicolas Fisman, avec qui je collabore de temps en temps. Et c'est un blues qui leur est dédié, voilà, sur la guitare fretless.
Thank you.
Je vous l'expliquais en début de concert, que je me suis retrouvé embarqué un peu malgré moi, mais avec cette histoire de confinement. Et puis bon, voilà, comme beaucoup d'artistes, ça fait un an qu'on est très frustrés. Dans certains cas, on est très abîmés aussi par cette difficulté qu'on a de pouvoir émerger simplement ou réémerger. Et dans la foulée, jusqu'au 14 février dernier, puisque le 14 février, j'ai tenté de faire ce concert qui m'a été refusé, interdit, ben, je pensais que jusqu'à cette date, mon métier se résumait à faire du beau, à raconter, à partager des énergies, on va dire, musicales, positives, inspirantes, que j'attrape un peu partout, avec beaucoup d'influences différentes. Et je pensais que mon job à moi, c'était de vous raconter du beau, ou en tout cas d'essayer de vous partager cette énergie-là. Et depuis le 14 février, ben, j'ai un peu attrapé, on va dire, aussi conscience d'une autre philosophie qui me parle beaucoup en tant qu'artiste, et qui n'est pas forcément, je trouve, attachée à la politique, parce que ce n'est pas mon souhait, je ne veux pas faire de politique, mais je pense qu'il y a quand même une densité dans l'aventure artistique qui peut être vécue aussi en tant que citoyen. Et il se fait que depuis le 14 février, par ce concert à Cruppé, ben, j'ai pris conscience que mon métier n'était pas seulement d'être artiste, mais aussi d'être un citoyen un peu plus engagé qu'avant. Et naturellement, j'ai suivi le mouvement de la Ligue des droits humains qui m'a proposé ici en Belgique de les rejoindre en justice, puisque l'acte politique que j'ai posé à Cruppé avait en tout cas ce caractère-là. C'était ma volonté, évidemment, de faire ressurgir la question des artistes au premier plan, la question culturelle, la question qu'on défend tous ici, tous les techniciens, même le public assis, vous ne le voyez pas, il y a quelques personnes qui sont là, et les artistes. On essaie de se battre pour faire émerger ça. Et donc, suite au fait de les avoir rejoints en justice, j'ai aussi compris certaines choses de ce qu'on appelle chez nous en Belgique l'état d'urgence. Et en réalité, en assistant aux plaidoiries, c'était le 12 mars dernier, j'ai compris une chose absolument effarante que je n'avais pas saisie depuis le début. Mais à la question de savoir, quand la juge questionnait les avocats de cet état d'urgence qui se défendent face à la Ligue des droits humains et mon avocat, quand la juge demande est-ce que vous pensez que Monsieur Dujardin est plus contaminant qu'un prêtre? Puisque chez nous en Belgique c'est 15 personnes pour le culte, mais pas pour un artiste. Eh bien, les avocats de la défense de l'état d'urgence ont simplement répondu en disant que pour eux la liberté de culte n'était pas proportionnelle à la liberté d'expression, c'est-à-dire que elle n'avait pas la même puissance, elle était plus forte que la liberté d'expression, et que pour eux la liberté d'expression n'englobe pas la liberté d'expression artistique. Voilà, j'ai appris ça. Ça existe, on est en 2021 et je dois vous avouer que je suis tombé un peu par terre en les entendant se défendre de la sorte. Et je plaide en tant qu'artiste aujourd'hui, si je vous parle un peu comme ça, c'est peut-être pour éveiller encore un peu plus loin nos consciences à tous, pour qu'on revienne le plus vite possible vers un état de droit qui me semble être le bien-être que cet état cherche en fait pour tout le monde. Donc aujourd'hui, je remercie Julien Brocal de m'avoir invité, toute son équipe, Benjamin qui est ici derrière présent, Théo que vous ne voyez pas non plus, qui est là aux lumières, aux images, qui vous fait les superbes lumières que vous voyez, Geoffrey qui est là ici aux caméras et d'autres personnes qui nous entourent. Donc merci beaucoup à Mathieu également Litz qui est ici caché derrière pour le son. Ce sont des gens qui nous sont, à nous les artistes, très importants et je pense que c'est avec des démarches novatrice, créative, que nous allons permettre peut-être de faire aussi réémerger la culture, mais surtout continuons à faire vivre notre envie de simplement éduquer nos enfants à savoir ce qu'est une démocratie et savoir aussi ce qu'est le chemin de la musique, le chemin de l'art en général, qui raconte aussi avec force notre liberté. Je vais continuer avec un morceau que j'ai intitulé Junjai, qui est en fait
une province du Brésil. Et je suis un grand admirateur de Yamandu Costa, qui est un guitariste absolument génial dans sa liberté, justement, et comment il l'exprime. Et dernièrement, je cherchais un nom pour ce morceau, et je repensais à lui, et donc à ce voyage aussi au Brésil, qui est terriblement foisonnant dans la musique et dans la culture musicale.
Je vais continuer avec un morceau que j'ai intitulé Madagascar. Je vous expliquais tout à l'heure que je suis passé par le jazz, par l'improvisation, par beaucoup d'études, on va dire, de la musique. Comme beaucoup de musiciens classiques, quelquefois on démarre un peu tôt la musique. Et moi, c'était le cas vers 5-6 ans avec la guitare. Et puis, dans le parcours, l'improvisation m'a beaucoup parlé, m'a beaucoup interloqué, m'a beaucoup questionné. Et puis, arrivé à la fin de mes études musicales, j'avais 21-22 ans, j'avais envie de tout balancer. J'avais envie de voyager. J'avais envie de ne plus être sujet, on va dire, à un professeur ou un maître ou quelqu'un qui me disait « Tu devrais plutôt étudier telle chose ou écouter telle musique ou t'inspirer de telle. » Et en fait, j'ai eu un choc en entendant un musicien flamenco qui s'appelle Vicente Amigo. Et je ne comprenais rien à cette main droite, comme on dit en guitare chez nous. La main droite en flamenco, c'est quelque chose de très particulier. Et le son que j'entendais sur disque m'a tellement interloqué que je me suis dit bah, « On va commencer le premier voyage là-bas en Espagne, en Andalousie. » Et je suis parti dans la rue, en fait, à la rencontre du monde des gitans. Et pendant 3 ans, j'ai beaucoup sillonné un peu partout dans l'Andalousie. Et j'ai rencontré des musiciens incroyables qui ne savent pas lire une note de musique, mais qui ont un parcours musical absolument intuitif, absolument inspirant. Et moi qui cherchais justement ce retour vers un caractère plus intuitif encore dans la manière de penser la musique, dans la manière de la jouer, ça m'a chaviré complètement. Et le monde des gitans a eu cette grande générosité avec moi, c'est qu'en fait ils se sont rendus compte que je faisais beaucoup de choses qu'ils ne comprenaient pas dans l'harmonie, parce qu'ils ne sont pas très aisés d'approche, mais par contre ça les intéressait d'échanger l'information musicale, c'est-à-dire qu'ils m'ont pris sous leur bras, à Grenade notamment, où j'ai passé beaucoup de temps à jouer, à chercher le flamenco, à essayer d'imaginer comment mixer ma musique avec ces techniques. Et en échange, je leur parlais d'harmonie, je leur parlais de compréhension de l'instrument, d'improvisation aussi, de gamme, de mode musicaux. Et ça a été un foisonnement incroyable pendant 3 années. Et dans la foulée, quand je suis rentré de ce premier voyage, je me suis dit que c'était une porte fantastique de pouvoir partir dans la rue à la rencontre des gens, sans plan au préalable. Et pendant 7 ans, j'ai voyagé. J'ai voyagé un peu partout, en Afrique, en Amérique du Sud, sur les traces d'un compositeur qui s'appelle Augustin Barrios, main gorée. Madagascar a fait partie d'un de mes grands voyages, terriblement inspirant, terriblement riche au niveau de ces visages mixés dans le physique corporellement. Il y a quelque chose d'absolument fantastique dans ce mix entre Asie, Afrique, dans les langues aussi, les ethnies différentes, la musique, la couleur locale est très très différente selon les régions. Et aujourd'hui, je vais essayer de vous amener un tout petit peu à Mada, à ma façon. Et c'est un hommage à un musicien que j'appréciais beaucoup, qui est décédé il y a quelques années, qui s'appelle Régis Guizavo, qui était un accordéoniste. En France, on a Richard Galliano, qui est un des tout grands musiciens qui touche autant à la musique jazz, à la chanson française, mais aussi à la musique classique. Eh bien, à Madagascar, ils avaient Régis Guizavo, qui avait une manière de riffer son accordéon chromatique d'une manière très très particulière et qui est très inspirée des instruments à cordes. Voilà, Madagascar.
Thank you.
Merci beaucoup. Je vais vous jouer un morceau que j'ai dédié à mon village. Je suis pas bruxellois, je suis pas parisien non plus. J'adore la ville, j'adore y venir et j'adore en sortir très vite aussi. Donc je viens faire mon boulot et puis je retourne très vite à la campagne où j'habite. Et quand je parle de campagne, je pense aussi aux pierres. Je suis un Condrusien dans l'âme. Alors le Condreau, c'est une bande de terre qui va de Liège en traversant partie de la province de Namur et puis en allant jusque la France par les coins de Chimay, par-delà Chimay, Fourmies, etc. Ce sont un peu les dernières bastions de carrière bleue, comme on appelle ça. C'est la pierre bleue en fait. Et j'adore cette pierre, j'adore la matière. Il m'est arrivé pendant le confinement aussi de travailler dans la maison avec mon ami maçon, que je salue d'ailleurs, mon ami Vincent, où on taille la pierre ensemble et on fait des mortiers à la chaux et puis on monte des murs de pierre. C'est splendide, c'est un métier rude, mais aussi qui a toute sa noblesse, toute sa finesse, toute son intelligence dans l'architecture, dans le fait comment dirais-je, de dessiner en fait. C'est très artistique, je trouve, de faire un mur de pierre. Et c'est aussi quelque chose de terriblement, incroyablement fort dans la réalisation, quand on se sent abouti comme ça dans une œuvre, dans un morceau ou dans un partage musical ou artistique, dans quoi que ce soit qu'on fait, ben, la maçonnerie, ça a quelque chose d'à peu près similaire, en tout cas avec la pierre. Et c'est un hommage à mon village qui s'appelle Les Avins en Condreau. Il y a sur ce petit village, il y a trois carrières qui tournent encore. Ce sont des carrières de pierres bleues qui partent un peu partout, dans le monde aussi. Et ce village est plein de maisons bleues. Et c'est d'autant plus beau quand l'été, quand les fins de journée arrivent, parce que quand le soleil est là et qu'il tape sur cette pierre, il y a quelque chose de. C'est un espèce de bleu-gris extrêmement apaisant. Et ça m'arrive souvent de jouer devant la maison, sur mon petit banc, pratiquer un peu à l'extérieur l'instrument. Et c'est pour moi un lieu très très inspirant dans la musique. Donc venez nombreux dans le Condreau, il y a plein de gîtes, il y a plein de lieux splendides à découvrir, c'est plein de mystères aussi. Et je vais vous amener jusque là-bas. J'ai intitulé le morceau Les Avins sous les étoiles. Thank you.
Thank you.
vais terminer ce concert avec une balade où je n'utiliserai pas le loop, Mathieu. Voilà, donc tu peux couper le... Enfin, ne le coupe pas, mais je parle à l'ingénieur du son qui est derrière la porte ici, que vous ne voyez pas. Donc tu peux le laisser, tu peux quand même le laisser ouvert. Merci infiniment de nous rejoindre, de nous avoir rejoints ou de re-regarder ce streaming. C'est un vrai plaisir de se sentir accueilli par toute l'équipe. C'est fantastique. Donc les conditions sont là. Voilà. Je vous invite à regarder les prochains streamings parce que aussi ils vont accueillir des grands, grands artistes que j'apprécie incroyablement. Je pense notamment à Maria Joao Pires qui sera ici sur ce piano derrière. Je ne sais pas quand exactement, je n'ai pas les dates. Le 5 mai, donc ne ratez surtout pas ce concert absolument qui s'annonce en tout cas, je pense, fabuleux. Moi, je serai au poste, évidemment. Pour regarder ça avec beaucoup de plaisir. Le 5 mai, ça sera en vrai, dans le salon, et le 9 mai, ça sera en streaming. Voilà, donc Julien vient me dire que le streaming exact, c'est le 9 mai. Voilà, ne ratez surtout pas cette date, ce sera un des grands moments du jardin musical. Et comme je vous le disais tout à l'heure, c'est, pour ma part, c'est un grand honneur de pouvoir rejoindre ce lieu-ci qui est plein de bonnes vibrations. La lumière est splendide. On se sent bien accueilli et puis surtout, on va manger tous ensemble après, donc ça me fait très plaisir. Voilà. Je termine avec ce morceau qui est dédié à mon fils. J'ai deux enfants et le petit dernier est né juste avant le confinement. J'espère qu'il ne gardera pas de souvenirs de cette période un peu bizarre. On a la chance, en habitant à la campagne, qu'on ne porte jamais le masque à la maison et ni dans le jardin, donc c'est déjà fantastique. Donc une petite pensée pour lui. Que vous dire de plus, sinon que je serai très heureux de vous retrouver en concert. Et demain, le stream, aujourd'hui on est le 11, oui c'est ça, demain tout à fait, je serai en concert à la chapelle de Saint-Fontaine, donc je continuerai si vous voulez, puisque l'État a été condamné, ça veut dire que les verbalisations sont aussi illégales, et donc je continuerai à faire des concerts pour 15 personnes, dans le respect des normes sanitaires, masquées, 1m50, j'ai l'hydroalcoolique, je pense que j'ai rien oublié. Ça se passera à la chapelle de Saint-Fontaine. Voilà, si vous vouliez en savoir plus, vous pouvez toujours aller sur mon site. Là, tout est indiqué, quentindujardin.com. Voilà. J'ai hâte de vous retrouver sur scène, de façon générale, partout, en France, en Belgique, en Allemagne, en Italie. J'ai très, 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 très hâte de vous revoir, de vous rediscuter, de reboire des coups ensemble et de vivre vraiment des moments de partage. Je pense qu'on en a tous besoin, on a besoin de liens. Et c'est la chose sans doute la plus prégnante qu'on a pu sentir dans le manque avec cette année qui s'est écoulée. Mais je vous promets qu'on continue à se battre pour qu'on reparte vers cet état de droit. En tout cas, j'y tiens. Merci beaucoup, belle soirée à tout le monde. Thank you.
Mmh.